J'aimerais d'abord poser une question à tout le monde. Ce n'est pas une grande question, mais qui n'aime pas la liberté dans sa vie? Qui veut toujours souffrir dans sa vie? Vous savez, aujourd'hui, nous nous trouvons là. Ce n'est pas comme si nous voulons nous trouver là où nous sommes. Mais c'est parce que la situation oblige. J'aimerais vous dire de réfléchir un peu. Parce que vous n'avez pas vécu ce qui se passe en Libye. On vous montre seulement des images, mais nous, on a vécu la réalité. Vous posez des lois pour dire que nous ne pouvons pas rentrer. Mais où nous allons-nous partir? Moi, Herman, par exemple, si c'est pour que je me retourne encore en Libye, je préfère mourir. Je préfère donner ma vie aux poissons plutôt que la torture. J'aimerais lancer un message au ministre de l'Intérieur de l'Allemagne. Sincèrement, qu'il réfléchisse à la vie que nous sommes en train de mener. C'est pas humain, qu'on laisse les gens mourir dans la mer. Ceux qui nous aident, ceux qui nous sauvent, ne sont pas des criminels. Ils sauvent nos vies. Réfléchissez. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devrons aussi vivre comme nos frères. Nous devrons aussi vivre comme nos amis. Nous devrons aussi vivre comme vous. Nous avons aussi droit à la liberté, comme les autres.